Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou! ce soir nous sommes lundi 18 juillet 2022, il est déjà 20h25, il fait un petit peu chaud, on va se réhydrater, on va tester cette petite boisson que j'avais achetée il y a quelques mois, une boisson gélibélique comme les bonbons mais parfum watermelon. Je l'avais dû payer je pense 99 centimes le prix qui est Il y a indiqué quelques sur mois en la... plus, il doit avoir un ou deux mois. Bah oui, et que s'il y en a plusieurs mois, il y a quelques... Ouais, pas non plus. Ah. On va voir tout de suite si c'est bon. Ah oui, c'est bon. Je laisse goûter. Merci, maman. C'est gazeux. Allez, je vais Non, mais c'est gazeux comme l'eau minérale. Ah oui. Comme l'eau minérale est aromatisée par gazeux comme un Fanta ou un Coca. Ouais. C'est vrai, on dirait de l'eau minérale. Ça se rapproche pas mal d'un Perrier ou d'un Bad Bois au niveau de la Ouais, texture de la et boisson. c'est bon. Du Et coup, c'est agréablement léger. surpris de cette texture-là. Ah, ben derrière, c'est marqué 0 calories. Ah ben voilà. Derrière, on voit 0,0000%. Mais tu vois, je t'avais laissé de l'eau gazeuse. C'est bien marqué derrière, eau gazeuse, Gilibili pastèque. C'est assez léger, c'est bon. Ah, c'est marqué sur le côté. Zéro sucre, zéro sweetener, zéro calories, zéro sodium. Donc voilà, je vais finir tranquillement la canette. C'était découverte des boissons Gélibélique ou Pastèque. Il y avait d'autres parfums, mais ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Et je sais plus c'était quoi les autres parfums. Après, c'est un rapport aux petits bonbons Gélibélique qui ressemblent à des genres de dragibus en forme d'haricot. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.